On va y aller aujourd'hui. Bonjour, solidaire d'abord. Donc aujourd'hui, on a un écrit de Gilets jaunes. Hein. Marie-Claude, tu es venue avec un écrit parce que, en fait, il y a quelque chose qui préoccupe les Gilets jaunes, mais qui nous préoccupe nous aussi, particulièrement dans cette radio pas pareille, différente et tout ça, parce que on se retrouve face à de la désinformation à tous les étages. Et donc, tu nous as fait un dossier, un écrit sur la désinformation et la manipulation médiatique. Alors, la désinformation, la désinformation médiatique, mais la désinformation, c'est pas d'hier que ça date. Hein. Historiquement, on a plein d'exemples, Cheval de Troie ou d'autres choses, Jean-Claude. Donnez-nous du pain et du jeu, et on a fait le Colisée, par exemple, les arènes de Nîmes, déjà du temps des Romains, quoi. Pas nouveau. Donc pour amuser le peuple, le divertir, lui faire penser à autre chose. Et ça, c'est uniquement parce qu'on a des écrits, des choses écrites. Ah ouais, parce ouais. Que ça date probablement encore plus loin. Mais avant, avant peut-être on créait des religions, mais enfin, c'est encore autre chose. Alors toi, Marie-Claude, tu disais que ça, ouais, t'avais lu un truc sur comme quoi cette désinformation. Ça s'adressait surtout pour la guerre en fait, pour déstabiliser l'ennemi. On faisait de la désinformation. Déjà au VIe siècle avant Jésus-Christ, il y avait déjà des systèmes de désinformation pour faire peur à l'ennemi et pour le déstabiliser. Bon, après, par la suite, ça a continué. Hein. Il y a eu d'autres façons et d'autres guerres, on va dire. Et donc, la plus grande preuve, c'est pendant la guerre de 39-45. Où il y a eu de la propagande, où il y a eu, Les nazis étaient champions là-dessus, hein, quand même. Ah oui, oui, ah. Bah, oui, c'était... Goebbels, particulièrement. La guerre s'est beaucoup appuyée sur la désinformation, l'intoxication de l'ennemi, en fait. Il fallait que l'ennemi ne sache pas exactement ce qui se passait, donc on envoyait toutes les informations possibles... et imaginable pour le déstabiliser. Alors ça se passe en temps de guerre, mais ça se passe aussi en temps de paix, puisque, en fait, petit à petit, on voit que les politiques, pour mener un peuple, finalement, ils ont aussi une façon de l'entraîner sur des chemins qui lui conviennent. Voilà, puis les médias ont relayé, en fait, les médias, si... Enfin, les médias sont là pour relayer toutes ces désinformations, en fait. S'ils ne relayaient pas, en fait, il n'y aurait pas d'emprise sur les populations. Donc, ils sont obligés d'en passer par les médias. Alors, souvenons-nous, par exemple, de comment on parlait de l'ORTF à un moment donné, hein, il y a quand même très longtemps, mais c'est après les nazis, ça, bien sûr. Mais on a parlé de l'ORTF comme... La voix de son maître. La voix de son maître, hein, c'était quand même ça. Et en fait, on a l'impression un petit peu maintenant qu'on revient à ce temps-là, puisqu'on n'a plus qu'une seule voix maintenant. Mais, enfin, bon, pire, ça, ouais. Je pense que c'est pire actuellement que même à l'époque de l'ORTF. C'était plus ouvert au temps de l'ORTF. Parce que c'était clair au temps de l'ORTF, oui, c'est clair. On pouvait se méfier, alors que maintenant, il y a... Tu disais il y avait une pluralité quand même qui existait. Tu avais Le Monde qui était quand même le journal de référence avant de devenir, je dirais, le torchon que c'est maintenant. Quoi, hein. Le Monde qui est quand même pratiquement qui a pris la succession de tribunaux de l'opinion, hein, avec son fameux truc sur les... Comment ils appellent ça, là, déjà, là, où justement, ils prétendent traquer la désinformation, le décodage,
Alors qu'en fait, c'est ignoble ce qu'ils font. Quoi. Oui, parce que maintenant, il y a une pensée unique autorisée. Il y a une pensée unique. Et il y a eu des procès qu'ils ont tous perdus, d'ailleurs. Alors, ils ont perdu des procès, y compris avec le Canard, avec d'autres médias. Alors, voilà. Alors, tu nous disais, Marie-Claude, qu'en fait, c'est vrai que le support du média est obligatoire maintenant. C'est en fait le haut-parleur qui permet aux politiques ou à d'autres choses de faire son intoxication. Mais il y a aussi une façon commerciale presque de mettre en jeu cette parole qui va être utilisée comme oui, dans la bien publicité. Sûr. Comment ça marche? Eh bien, ça marche, en fait, il faut un client. Ça peut être l'État, ça peut être un lobby, ça peut être une compagnie privée, enfin. Et ce client s'adresse à une agence de communication qui est spécialisée. Et ensemble, ils choisissent un thème ou un et le support. Qu'est-ce qui va porter la parole? Qu'est-ce qui va porter la désinformation? Et il faut qu'ils fassent presque une étude de marché pour savoir quelle sera la meilleure campagne de désinformation. Quel est le bon angle d'attaque? Voilà, c'est ça. Quel sera le média? Quel sera... Voilà. Alors, tu parles de l'émotion aussi dans ton sujet. Et tout à l'heure, on a évoqué la façon dont on a communiqué autour de Notre-Dame de Paris, par exemple. Là, on était... directement sur l'émotion. Et alors pendant une semaine, c'est une intoxication complète, quoi. Pendant une semaine, les gens n'ont bouffé que de Notre-Dame de Paris. Il n'y a rien eu d'autre. Tu n'avais plus le droit de respirer autrement que l'air vicié de Notre-Dame de Paris. C'est ça. Parce qu'on n'était pas au courant qu'il y avait des centaines de tonnes de... Alors justement, Jean-Claude disait que y a un autre sujet où, pareil, on n'a pas été au courant qu'il y avait des centaines de tonnes de, comme tu dis... De plomb, oui. C'est pour Rouen. Oui, pour Rouen. Donc, on savait qu'il y avait énormément de produits, puisque je crois que le tonnage, c'était quand même plus de 2000 tonnes de produits un peu dégueulasses, quoi. Des produits... à base d'hydrocarbures, avec des additifs. Et souvent, on sait très bien que les additifs, c'est les plus toxiques, hein. En particulier au niveau des particules fines. Et puis, ça a brûlé, quoi. Et quand ça brûle, rappelez-vous, ça émet de la dioxine. Dès qu'on brûle des hydrocarbures et que la combustion n'est pas très complète, alors là, on a vu la fumée, la combustion n'était pas complète. Et donc, il y a des émissions de dioxine, nécessairement. Et le terme dioxine, on l'a entendu pour la première fois prononcé à la télé, peut-être au moins une semaine après. Il y a une journaliste qui l'a dit. Pourtant, ils étaient pour la transparence complète. Ah oui. Hein. Alors, c'est vrai qu'après coup, je crois vers le 9 octobre, il y a eu des analyses qui ont été publiées. Alors, ils ont dit, c'est pas trop alarmant. C'est à peu près 4 fois ce qu'on trouve habituellement. Alors, ils avaient parlé, d'ailleurs c'est marrant parce que c'est le préfet qui a communiqué là-dessus, il a parlé du bruit de fond de la dioxine. Ouais. Alors le bruit de fond, en tout cas on l'a pas entendu à la radio, hein, ça c'est clair. Mais alors j'ai aimé le terme, le bruit de fond de la dioxine. Ça veut dire qu'en temps normal, à Rouen, il y a de la dioxine un peu partout. Hein. Quand il y a des incinérateurs de ordures ménagères, c'est terrible. Alors, il faut savoir quand même, la dioxine, c'est quelque chose qui résiste assez longtemps dans la terre, et qui est absorbé par les graisses, par voie, disons, respiratoire ou par voie digestive, et elle a un temps de résidence quand même dans l'organisme de 7 ans où elle va s'accumuler. Et la dioxine, on se rappelle quand même de la catastrophe de Seveso en Italie, qui a été à l'origine de la fameuse directive Seveso, et toutes les usines Seveso qui ont été libellées ainsi. Hein. Donc c'est quelque chose de dangereux. Rappelez-vous, en Italie, ils ont enlevé la couche superficielle de terre sur une zone immense, tout autour de l'usine. Alors là, je ne dis pas que c'est aussi grave que là-bas. Mais les doses étaient 4 fois supérieures à la normale. Mais à la sortie, par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Là, même encore à l'heure actuelle. Sur l'événement lui-même, non. Oui, oui. Mais
Pour revenir à la dioxine, toujours est-il qu'on sait que l'endroit où ça s'accumule bien, c'est dans le lait des vaches qui pèsent de l'herbe, qui a reçu de la dioxine. Et ensuite, ça passe dans le... Ça s'accumule dans le lait. Et si les gens consomment du lait, par exemple, des enfants, etc., ça va s'accumuler dans leur organisme. C'est un bon exemple. Et c'est pour ça qu'ils avaient interdit, dans un premier temps, le lait. Voilà. Mais ce dont tu parles, c'est un bon exemple, la dioxine, par rapport au dossier qu'a fait Marie-Claude. Et c'est vrai que, comme tous les médias ont été univoques, c'est-à-dire, ils ont tous dit la même chose, en fait. Hein. Et donc, là, tu disais, Marie-Claude, ils se copient tous les uns les autres, ces médias, en fait, maintenant, depuis que l'AFP est... Il n'y a plus qu'une source d'information, donc c'est l'AFP. Et du coup, tous les médias restituent la même source, en fait. Sans vérifier, en plus. Et l'AFP, c'est un consortium des médias, maintenant. C'est-à-dire, c'est à une époque, l'AFP, c'était d'État, si on veut. Mmh. Donc c'était un organisme plus ou moins public, etc. Plus ou moins libre. Plus ou moins libre. On peut Mais maintenant, il n'est plus du tout libre, parce qu'en fait, c'est un consortium de tous les médias, qui eux-mêmes sont tous propriétés, comme on l'a dit, des grands groupes alors financiers. Alors là, tu reviens au dossier de Marie-Claude, puisqu'elle parle d'oligarchie médiatique. Hein. Oui, il y a plein dedans. Hein. On ne peut pas y être plus que dedans. Que ce soit la télé, la radio, le cinéma, ils sont tous dirigés par des... Y compris les médias culturels. C'est presque les mêmes patrons, quoi. Il y a très peu de médias, il y a plus d'indépendance, ils sont tous dirigés par des Bouygues, Dassault, Lagardère, Pinault, on peut les citer. Et, hein. Et en plus, tu dis que tout le monde ment maintenant au journal télévisé, et si jamais quelqu'un dit ça, Françoise Laborde, qui a été virée du journal parce que... Elle a osé dire ça, en fait. Elle a osé dire que tout le monde mentait. Au journal télévisé. Alors là, on parle même pas du temps de cerveau disponible de Patrice Lelay, hein, souvenez-vous, sur TF1, où il nous expliquait qu'il y a des moments où on peut y aller fort parce que les gens sont prêts à être intoxiqués à fond, quoi. Hein, voilà. C'est la pub, oui. Hein, pour la pub et tout. Bon, alors, tu parlais de tous ces consortiums de médias, Bouygues, Dassault, etc. Et en plus, ces gens-là, ils multiplient les alliances entre eux, ce qui fait qu'un journaliste, pour être libre, c'est l'enfer. Le journaliste, il est plus libre, il pratique l'autocensure, il est complètement, il risque d'être licencié, il y a plein de choses qu'ils ne peuvent plus faire, hein, leur parole est limitée. Tu voulais dire un truc, Jean-Louis ? Oui, tout à fait, je veux dire, quand tu es pris dans un ensemble d'informations soi-disant variées, tu te concurrences avec l'autre pour, comment dire, améliorer l'information. Or, tu trompes encore plus. Ah, tu en surajoutes. Mais tu en surajoutes, forcément. Ouais. Pour être le scoop, pour être... Ouais. Ah tiens, c'est forcé, ça. À partir du moment où il n'y a pas la vérité, quelque part, la vérité, j'en sais pas, mais la réalité réelle, quelque part, effectivement, il y a une concurrence entre tous ces mecs-là. Hein. Oui. Toutes ces chaînes, toutes ces... Il y a concurrence. Les médias font caisse de résonance. Ouais, qu'un média diffuse une information, tout le monde la reprend. Et c'est la course à l'audimat, de toute façon. Hein. Même si le sujet n'est pas intéressant, comme le voile, là, par exemple, en ce moment. Voilà. Et là, en ce moment, on ne parle que du voile, alors que pendant ce temps-là, il y a des sujets quand même... est extrêmement important, hein, sur la retraite, sur plein de choses, sur plein de gens qui sont en manifestation, hein, les urgences qui ne marchent pas, etc. Bon, un petit peu comme disait tout à l'heure Denis quand on était dans la préparation, finalement, les gens, ils veulent entendre que certaines choses. Donc, si on continue à dire que les retraites, ça ne va pas, ou les urgences sont en grève, à un moment donné, tout le monde est fatigué, il faut parler du positif. Alors, le positif, ça peut être enfin un sujet croustillant. Le voile. Alors, voilà. Et puis en fait, même si c'est complètement creux, ça fait rien. Ça, on va en débattre pendant du des jours. Du pont de Ligonnès, c'est encore mieux. Hein. Alors, du pont de Ligonnès, tu as raison. C'est... Là, au moins, ils tenaient un vrai scoop. Alors là, on se retrouve avec un truc
On en parle pendant 3 jours à la télé, et pendant 3 jours, ils nous expliquent qu'ils ne savent pas, quoi. Hein, c'est énorme, quand même. Parce que le premier jour, ils croient que, d'accord, je veux bien, mais le deuxième jour, ils ont compris. Et ils continuent à nous développer le truc, comme si, en fait, dans les cartons, ils avaient déjà prévu de développer là-dessus. Donc, ils ne vont pas gâcher une journée de travail, quoi. Mais en plus, comme il n'y a qu'une source, l'AFP, ça n'a pas été vérifié, en fait. Voilà, ouais. Personne n'a vérifié. Voilà. Alors, ils nous ont expliqué que si, ça a été vérifié, parce que, après, en fait, il y avait eu un policier très, très, très haut placé qui avait donné l'info. Voilà. Bon, très bien. Alors, voilà, ouais. Ils ont vérifié, ils ont pris un autre policier très, très haut placé qui a dit la même chose. Puis un troisième policier qui a dit la même chose. Alors, quand tu sais comment ça marche dans la police, s'il y a un grand chef qui a dit un truc, tous les autres, ils sont d'accord. Hein. Alors, bon, c'était la vérification. Enfin, bon, bref. Voilà. Alors, les techniques, tu disais que les techniques d'influence, les techniques de modification de l'info, etc., sont nombreuses. Et on en arrive jusqu'au vocabulaire, puisque maintenant, on a cette pensée unique qui est portée par un langage unique. Avec, oui, vous avez dû entendre parler de la novlangue, qui emploie des termes nouveaux. On change les mots. On emploie des mots pour d'autres. On adoucit la réalité. Oui. En fait, ça permet de bloquer un peu le discours. Et la personne qui n'est pas en accord, en fait, avec ce discours va être limitée dans ce qu'elle a à dire, puisqu'on emploie d'autres termes qui adoucissent la réalité. Et si vous voulez expliquer à d'autres, vous êtes obligé d'employer ces termes. Donc, vous êtes limité après pour expliquer votre façon de penser. Voilà. On ne peut pas avoir une pensée radicale, puisque en face, on a été habitué à tout un vocabulaire qui, petit à petit, a adouci la chose. Donc, on ne peut plus résister vraiment, quoi. Oui, et avec la coalition qu'on a de médias qui sont tous dans le même sens, celui qui va être, mettons, invité dans un débat avec une pensée, disons, différente, tous les autres se réfèrent à un discours médiatique qui a été seriné, qui est dans les oreilles de tout le monde, alors que l'autre, il faut qu'il explique, qu'il démontre, qu'il explique pourquoi c'est comme ça. Et en même temps, comme tu dis, avec des termes qui seront souvent, la plupart du temps, qui ont été rendus négatifs par tout le discours dominant. Parce que le gars, on va lui dire, mais attendez, là, vous êtes complotiste, ça, c'est du populisme, etc., etc. Et donc, dans le débat où déjà il sera minoritaire, il n'a quasiment aucune chance de faire valoir son opinion. À tel point, bon, on n'a pas le temps de le dire, mais c'est vrai que ce matin, il y avait un débat de ce type sur LCI. C'était tellement caricatural que le responsable, à un moment donné, il a dû mettre son grain de sel pour que ça soit plus présentable, disons. Tellement c'était caricatural que le mec, bon, c'était un mec de la CGT, il était vraiment laminé par tous les autres. Alors, tu disais, toi, dans ton dossier, là, Marie-Claude, je relis un peu le dossier, que à un moment donné, le public va être lui-même demandeur de mesures, par exemple, ce qu'ils nous appellent des réformes en général, tu sais, qui sont en fait des contre-réformes, hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, pour casser ce qui a été amené par le CNR, hein, à un moment donné, ben, on va être capable de faire des réformes, et c'est les gens eux-mêmes qui vont la demander alors qu'ils n'ont aucun intérêt. Mais oui, c'est l'art de la manipulation, c'est une technique d'influence. Hein. En fait, si on provoque un état de violence urbaine, ça va générer une demande de mesures par la population. On veut la sécurité. Mmh. Et qui dit sécurité, plus de sécurité, dit aussi moins de liberté. Donc, si le but était de brimer le peuple et de mettre moins de liberté, ben on aura moins de liberté, puisque voilà. Et les gens vont eux-mêmes demander ce moins de liberté. Voilà, et on a un exemple, la loi anti-casseurs qui est sortie. Ouais.
On a un bon exemple. Alors, l'individu lui-même se culpabilise et se dévalue. Et tout ça fait qu'on se retrouve avec des lois qui nous desservent. Et on va presque être demandeur de ces lois. Ça dépend des moments. Mais bon, voilà, on va se retrouver à voter pour quelqu'un qu'on a en horreur. On va se retrouver comme... suivez mon regard. Moi, j'ai voté pour Chirac, ce mec que je ne crois absolument pas gentil. Et sympathique, etc. Comme contrairement à ce que nous ont fait ce dossier qu'on a eu pendant presque une semaine, plus d'une semaine même, puisqu'ils en parlent encore, en nous expliquant que c'était un mec qui était super gentil. Moi, je me rappelle de Pasqua. Ceux qui savent pas ce que c'est Pasqua, c'est quand même un mec qui a mis en place le SAC. Le SAC, c'était tout ce qui a le plus à droite qu'on peut imaginer. Ah oui, les milices fascistes. C'est les milices fascistes, hein, c'est ça. Et ce mec-là, soi-disant, était full sentimental. Oh, Douste Blasi nous a dit que c'était full sentimental, qu'il était super gentil. Et en fait, c'est le même que Balkany, hein, Balkany qui est en train de passer au procès, et Chirac, on n'a jamais pu réussir à le foutre au procès, donc il s'en est mieux sorti, mais c'est pas pour autant que c'était un gentil monsieur. Hein. Ben, il est bon. L'autre jour, quand même, ils ont passé, je ne sais pas sur quelle chaîne ils ont passé, je pense sur une chaîne, on n'a pas la télé, non. Mais en radio, on a eu le discours de Chirac, à un moment où il a dit le travailleur français, ne pas supporter l'odeur, etc. Ouais, le bruit et l'odeur. Le bruit et l'odeur. C'est quand même un mec comme ça. Il nous parle d'un animal politique aussi, c'est lui qui a fait la dissolution de l'Assemblée, vous vous souvenez ? Une catastrophe, c'est une erreur contre son camp catastrophique. C'est lui qui a mis en place le référendum sur le traité constitutionnel quand même, européen, c'est qui a été une catastrophe pour son camp. Oui, mais on peut pas le reprocher, ça. Ah oui, non, mais en même temps, il t'explique que c'était un animal politique, qu'il sentait, tu vois, enfin, qu'il était vachement mieux. Il fait des conneries, même vis-à-vis de lui, même, oui. Alors, tu parles aussi d'un truc, Marie-Claude, et moi, ça, évidemment, ça me parle beaucoup, c'est que tu parles de comment on peut empêcher le plus grand nombre à avoir accès à la culture, et que ça fait que les gens, ils n'ont pas de référence pour pouvoir arriver à faire leur choix, finalement. Ben oui, si tu mets... que des téléréalités, si tu empêches les jeunes d'avoir accès à la culture et d'évoluer, eh ben tu auras une population qui arrivera moins à se défendre, qui aura pas les données nécessaires pour comprendre certaines choses, et un esprit critique, et du coup ben oui, c'est une façon de manipulation et de désinformation, oui, bien sûr. Alors, dans les techniques, tu parles aussi de botter en touche pour dire ça se passera dans le futur. Hein, voilà. Et puis, tu parles aussi d'un truc où on va donner l'illusion aux gens d'avoir un débat. Ah oui, ben ça, c'est la technique de tous les plateaux télé, pratiquement, maintenant. Hein. En fait, tu as un opposant, tu vas l'inviter. Enfin, en général, ils sont très peu invités, mais quand on les invite, on ne va pas les laisser parler. On ne va pas lui donner la parole. Ou quand on lui donne la parole, s'il pose une question, on va répondre par une question, etc. Enfin, bon, c'est aussi le décrédibiliser. C'est une façon de faire croire à la population qu'il y a un débat, qu'il y a une sorte de débat contradictoire, mais qu'en réalité, il n'existe pas, ce débat. C'est pas vrai. Oui, et puis les bons débatteurs, il y en a quand même dans l'opposition, ils les invitent très peu, parce qu'ils savent que dans les médias, ils sont redoutables. Et par exemple, c'est vrai qu'on ferait... Alors, il s'est lui-même mis un peu en retrait parce que chaque fois qu'il intervenait, après, il faut voir tout ce qu'il reçoit, lui. Il est traité d'antisémite, de fasciste, de complotiste. Donc les mecs, même s'ils sont blindés, ils en ont marre au bout d'un moment d'être traités comme ça. Mais les journalistes bougent encore, hein, quand même, parce que, par exemple, il y a un mec qui s'appelle Gaspard Glanz, hein, alors qui est à chaque fois attaqué par la police, comme quoi... Il a été condamné, d'ailleurs, récemment. Donc la police Synergie a dit, ce n'est pas un journaliste, c'est un militant radical qui favorise la violence, qui multiplie les provocations, etc., contre la police et tout. Mais il y a quand même la SNJ, le syndicat national des journalistes, qui s'adresse à la police Synergie, là, et qui leur dit « Bonjour, police Synergie.
Dans quel commissariat doit-on aller retirer notre carte de presse? Donc là, on voit que les journalistes, à un moment donné, disent... Il a été condamné à 500 euros d'amende, Gaspard Gantz, parce qu'il a fait un doigt d'honneur à la police. Ouais. Alors, dans une manif. En même temps, vous voyez comme les choses avancent. Zemmour est sur CNews, et pendant que Alina, il y a une conférence d'une historienne qui s'appelle Ludivine Bonsigny, et qui parle de la disparition de la classe ouvrière à la télévision. Voilà. Et donc, en même temps, comme dirait notre cher grand Manitou, à bientôt. Et merci beaucoup, Marie-Claude, pour ce dossier sur la désinformation. Merci à vous. Au revoir. Ciao.